4-2, vas-y là. La terre, si je meurs, voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Virer à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Je veux des fleurs et des gosses, que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus, il n'y aura pas de parvenus, juste des gens de la rue. Mon âme monte, je vous vois en contre-plongée. C'est ceux qui sont déjà partis que je m'en vais retrouver. Ne vous inquiétez pas, je pars pour le paradis. Pas au paradis, mais professez la septième prophétie. Le 19 mars 2015, il y a jour pour jour 70 ans que Marcel Callot trouvait la mort dans le camp de concentration de Mauthausen. C'est pour faire mémoire à travers lui à tous les martyrs résistants que l'église d'Ille-et-Vilaine et la mairie de Rennes se sont associés. Autour de Mgr Dornelas, l'archevêque de Rennes Hélénique Briero, maire adjointe à l'éducation et aux politiques mémorielles, ils sont nombreux, chrétiens et non, à découvrir ce graphe. Cette vision originale contemporaine d'un collectif d'artistes rennais, la Crèmerie. Ah oui, parce que c'est le 20e anniversaire de la vérification. Non, non, c'est bien juste après. Je veux supprimer. Et nous voyons dans cette peinture tout un récit de vie. Tout un récit de vie qui, grâce à cette peinture, revient à nos mémoires. Merci de remettre dans nos mémoires à Rennes l'histoire singulière de ce jeune Marcel qui est mort le 19 mars 1945, il y a exactement 70 ans. C'était à 2h55 le matin. Le médecin qui était là à Mauthausen raconte qu'il a vu des milliers mourir, puisqu'on mourait jusqu'à 1500 par jour à Mauthausen, dans ce camp effroyable. Et pourtant il note qu'il n'a jamais vu de regard comme celui de Marcel Callot. Et il dit, ce médecin, arrêté lui aussi, emmené à Mauthausen, chargé de s'occuper de ceux qui étaient malades à l'infirmerie sans aucun moyen de nourriture ni de médicaments, il a dit qu'il a vu dans le regard de Marcel, c'est son témoignage, qui est un témoignage historique de l'histoire, j'ai vu le regard d'un saint. Et cette mémoire qui nous est offerte aujourd'hui, elle est sur un support éphémère, vraisemblablement pour nous signifier que nous avons sans arrêt besoin de retrouver, de réécouter, de réentendre les récits de vie dans une ville, pour que ces récits s'impriment sur quelque chose qui, je le pense, est immortel, notre mémoire. Madame la maire m'a demandé de vous saluer chaleureusement, ce que je fais avec grand plaisir. Alors en ma qualité d'adjointe en charge de l'éducation et des politiques mémorielles, et avec mes collègues Didier Le Bougeon, adjoint de quartier et conseiller général, Benoît Careil, adjoint en charge de la culture, nous sommes particulièrement heureux d'être présents à vos côtés à l'occasion de l'inauguration de cette magnifique fresque dédiée à Marcel Callot. Marcel Callot, grande figure locale, a marqué la vie de la cité. Il est décédé il y a 70 ans, jour pour jour, le 19 mars 1945. Il succombait à l'épreuve, à la souffrance du camp de concentration de Mauthausen. Vous l'avez rappelé, Monseigneur, et ce passé, il est important qu'on s'en souvienne, il faut le connaître. Car aucun moment d'histoire, aucun peuple n'est à l'abri d'une pensée, d'un régime qui méprise l'homme.
Et si aujourd'hui, depuis plus de 70 ans, notre pays offre l'image d'une république apaisée, où les droits de l'homme sont en principe garantis, l'actualité vient régulièrement témoigner d'événements rappelant que rien dans ce domaine n'est jamais acquis. Né de la rencontre fortuite entre Thomas Guédier, chargé culturel du diocèse d'Ille-et-Vilaine, et Mia, le graffeur, cette initiative artistique singulière rend toute l'actualité de Marcel Callot. Dans cette fresque, le Rennes d'autrefois se mélange au Rennes d'aujourd'hui, comme pour marquer l'intemporalité du message de ce héros local. Marcel Callot, l'histoire de Marcel Callot peut parler à tout le monde aujourd'hui, aux catholiques bien évidemment, puisqu'il a été béatifié par Jean-Paul II en 1987, mais aussi à tous les Rennais qui reconnaissent dans cet itinéraire tragique, l'itinéraire témoin d'une époque, puisque là-bas, Marcel Callot donc, a vécu jusqu'au bout auprès de ses compagnons, en témoignant tout simplement d'une vraie fraternité qui pour lui s'enracinait bien évidemment dans la foi. C'est l'histoire d'un Rennais, parce que ça a vraiment été le lien qui nous unit avec cette personne. Il était dans nos âges quand il a défendu ses idées, ses principes, et il était Rennais. Donc c'était notre premier lien direct. Après on passe tout de suite sur sa vie et une fresque assez chronologique. Il y a le passage par l'imprimerie où il découvre le monde du travail, où il découvre la condition ouvrière et c'est ça qui va le toucher. C'est là où il va commencer à militer aussi pour le droit des travailleurs. Après il y a le gros événement du bombardement de Rennes en 43 où il va perdre sa sœur. Donc ça c'est un événement marquant pour les Rennais et pour lui aussi particulièrement. Le rapport avec sa femme, donc les deux portraits où on voit celle avec qui il était fiancé, qu'il est obligé de quitter pour le travail obligatoire, donc le départ en train pour le STO. Et après le STO, on est plus tranché, on passe directement à la prison de Gotha, où il va être incarcéré avec ses collègues et où il va continuer à défendre ses principes, à militer pour ce qui lui paraissait important et jusqu'au camp de Mauthausen, l'image finale de notre fresque, où jusqu'au bout il aura, comme on dit, rien lâché, quoi. Le but en confiant au graffeur ce travail, c'était aussi d'être surpris éventuellement par leur appropriation. Mais moi ce qui me marque, c'est qu'ils ont mis au cœur de cette fresque la croix d'immortel, de fleurs d'immortel, que Marcel Callot et ses compagnons ont fabriquée alors qu'ils étaient dans la prison de Gotha. Ils étaient 12 avant de partir pour les camps, après leur arrestation par la Gestapo. Et cette croix d'immortel est au centre de la fresque et je pense qu'elle était au centre de la prière de ce groupe de prisonniers et donc qu'elle est immortalisée aussi de cette manière. Il y a des courants de pensée. Moi, à titre personnel, je reconnais les religions et le catholicisme comme une façon de penser, c'est une manière d'être pour... Et du coup, je ne juge absolument pas là-dessus. La mise en application de ça, ouais, me paraît plus intéressante. Cette personne-là, je ne veux pas du tout me fermer à qui elle est pour des questions de foi. Je crois qu'il a prouvé que ça dépassait un peu juste le cadre de l'Église. Il est allé là où il y avait besoin de ce qu'il avait à apporter. Enfin, justement zapper toutes ces petites choses anecdotiques qui marquent l'époque, le temps, zapper toutes ces choses qui sont de l'ordre de de l'appartenance à un courant. C'est juste voir ce que ça donne dans les faits, en fait. C'est dans les faits, il est allé jusqu'au bout de son idée, il était dans la voie du bien, il était c'est inspirant pour ça, quoi. Marcel Callot est connu en Bretagne, mais aussi et surtout en Autriche et en Allemagne, où aujourd'hui encore des Autrichiens et des Allemands viennent sur les pas de Marcel Callot, des établissements scolaires portent son nom. Et je crois savoir que des salutations officielles ont été envoyées à Mgr Dornelas par l'évêque de Linz au sujet de cet anniversaire. Donc ça témoigne du rayonnement de cette figure qui, en Bretagne comme en Autriche, eh bien, témoigne de l'humanité, d'une humanité vécue dans l'enfer de l'univers concentrationnaire et d'une fraternité que rien ne peut étouffer finalement. La source s'écoule, elle se déploie.
Si pour la ville de Rennes, Marcel Callot est avant tout un grand citoyen, pour l'archevêque du diocèse et toute la communauté chrétienne, Marcel Callot est avant tout un grand chrétien, dont le parcours de foi a été reconnu par une béatification en 1987. Ainsi, après l'hommage civil rendu par les élus de la nation représentant Rennes, cette ville si chère à Marcel Callot, c'est l'Église qui rend hommage aux croyants ce 19 mars 2015, au même endroit, à la basilique Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, où le cardinal Roch, le 12 juin 1945, célébrait un service funèbre à la mémoire de l'enfant du pays devant une foule immense. À l'avant de la procession, Antoine Vaz, chef au sein de la 3e reine des scouts unitaires de France, tient fermement l'étendard de son groupe, le groupe bienheureux Marcel Callot. Bien qu'à de nombreuses reprises durant les 6 mois de la présence du graphe, Antoine ait emprunté cet axe longeant l'histoire de ce jeune martyr, Marcel Callot fait toujours écho en lui, à la fois si proche et si semblable et si impressionnant. Marcel Callot, je l'ai découvert quand j'étais chef de troupe. Pour moi, il représente un exemple puisque on l'a connu, je l'ai connu dans le monde dans lequel lui aussi a vécu, dans le monde du scoutisme. Parce que lui, il est passé par le Mège, il est passé par les scouts, il est passé par la JOC. Et pour moi, ça a été un pilier pour ma foi quand j'étais chef et quand j'ai été jeune. Il a toujours tenu cap, il a toujours tenu bon. Et c'est un exemple pour nous puisqu'il a vécu sa foi dans un monde qui était hostile. On l'a considéré comme un ennemi de l'État allemand. On l'a considéré comme dangereux puisque trop catholique. Et j'aimerais être moi aussi trop catholique. J'aimerais qu'on puisse dire ça de moi. Donc vraiment un exemple et un pilier. C'est un jeune qui nous ressemble en fait finalement, c'est un jeune qui est né à Rennes, il est né dans une famille nombreuse catholique, comme moi je suis né dans une famille nombreuse qui est catholique aussi. On est passé par, il a été scout, il est passé par des mouvements de jeunes catholiques, auxquels j'ai participé aussi, j'ai été au scout. Et du coup on se reconnaît finalement en ce jeune qui a habité à Rennes, qui est décédé alors qu'il avait 21 ans, moi j'en ai 22 ans. Moi je pense que Marcel Callot, grâce notamment aux opérations qui ont été menées et grâce aux tags et aux inscriptions qui ont été faites dans Rennes, il a pu être amené à des gens qui n'avaient pas forcément la chance de pouvoir le connaître, pas forcément catholiques ou même d'une autre religion, et qui n'ont jamais entendu parler de Marcel Callot jusqu'à aux actes de la ville de Rennes. Et c'est grave, je suis persuadé qu'il y a au moins quelques personnes qui sont passées devant en se disant « Mais qui est Marcel Callot ? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de le dessiner sur un mur comme ça ?» Et qui, en découvrant sa vie, peut-être ont eu une révélation, se sont dit « ce garçon-là, à 21 ans, qui avait 21 ans à l'époque de la guerre, il mérite d'être connu et c'est une figure de Rennes. » Parce que je considère personnellement que c'est quand même une figure de Rennes et surtout une figure catholique rennaise. On peut se reconnaître en lui et on peut se baser sur lui comme on pourrait se baser sur un autre personnage, mais lui en particulier qui a été rennais et qui est venu dans des églises que nous on côtoie en tant que jeunes catholiques. Ça nous permet de nous rappeler, moi je m'assois, par exemple je vais à la messe à Saint-Aubin, je m'assois à un endroit où Marcel Callot lui aussi il est venu à la messe, où il allait à la messe quand il était jeune et qui en partant il allait travailler. Comme nous on va à la messe temps en temps en semaine et qu'on repart ensuite aller à l'université. Curé du doyenné des rives de la Seiche à Bru, non originaire du diocèse de Rennes, n'a réellement découvert Marcel Callot qu'au moment du 60e anniversaire de sa mort, dont il était en charge de l'organisation comme responsable de la pastorale des jeunes en 2005. A cette occasion, il rencontre Jean Callot, son frère, et Fernand Morin qui partagea la cellule de Marcel pendant 2 mois dans la ville de Gotha. De cette double rencontre, il se passionne pour Marcel et est à l'initiative quelques mois plus tard de la réalisation d'un documentaire, à partir de témoignages des survivants
qui ont partagé le sort du jeune Rennais. En 2007 sort le film « Un ciel en enfer » qui retrace le parcours héroïque de Marcel Callot, 20 ans après sa béatification par le pape Jean-Paul II. C'est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup impressionné, d'abord dans un contexte que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire le contexte de la guerre est quand même un contexte, je ne sais pas ce que je serais moi dans la guerre, quoi. Y a tout un débat aussi sur le service de travail obligatoire, etc. N'empêche que ce qu'ils font là-bas, au risque de leur vie, puisqu'ils vont quand même perdre leur vie, hein, moi ça m'impressionne énormément, quoi. Et moi, en tant que prêtre, ce que je trouve très beau, c'est à la fois la fougue qu'il a eue, parce qu'il a fait, il a eu vraiment un entrain énormément, énorme, et puis à un moment, il a une sorte de dépression, une sorte de fatigue un peu, et Paul Béchet en parle, donc qui est jésuite et qui l'a connu là-bas, il dit à un moment, il était moins bien, et puis, et il le dit d'ailleurs dans son courrier, il dit, puis le Christ m'a ressaisi, quoi, c'est-à-dire qu'il s'est dit, j'ai pas le droit de rester comme ça, il faut que j'y aille, quoi, et puis à partir de ce moment-là, c'était fini, son petit passage à vide était terminé, et puis il s'est relancé avec cette conviction, et il le dit hein, d'ailleurs, qu'il y a un ami qui l'accompagne tout au long de sa vie, quoi. Et ça, je trouve ça génial, quoi, parce que ça veut dire qu'il a fait un vrai acte de foi qui a dépassé son humanité, qui a ses fragilités, comme tout le monde. C'est ça que je veux dire, c'est que... Et moi, je trouve que c'est le plus beau message que Marcel Callot donne encore aujourd'hui, c'est que tout le monde, voilà, tout le monde, n'importe qui, avec ses limites, ses faiblesses, etc., peut devenir, entre guillemets, saint, c'est-à-dire, en tout cas, peut faire un chemin qui va le transcender, qui va le transformer. Marcel est d'abord un manuel, quoi. C'est un gars qui a fait de la typographie. Et il le dit d'ailleurs, et je trouve ça génial aussi, parce que son message, du coup, dépasse aussi la question de la foi. Il dit à un moment, je ne peux pas être un bon évangélisateur si je ne suis pas un bon typographe. Voilà. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire l'idée que tu peux annoncer tout ce que tu veux, si dans ce que tu fais, tu n'es pas bon, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Et là, il le dit avec force. Et du coup, ça veut dire aussi que ben, le gars qui a fait cette œuvre, et là, pareil, il met ce qu'il sait faire, il met ses compétences au service d'une œuvre. Et finalement, c'est ça l'humanité. Enfin, l'humanité accomplie, c'est quand j'arrive à faire avec ce que Dieu me donne comme être humain, ce que j'arrive à faire. Et lui, il dit, ben, moi, je suis fait pour être typographe. Par contre, ça se travaille. Voilà. C'est-à-dire que je ne reçois pas ça comme ça. Que ça peut être un don, mais c'est un don à travailler. Il ne faut pas croire que l'art, comme ça, ça devient tout d'un coup. En général, on le dit souvent. Hein. C'est qu'il y a quand même beaucoup de travail, quoi. Et ça, je pense que c'est une belle leçon de la part de Marcel Callot que de dire... voilà, mets tout en œuvre pour que tes qualités produisent quelque chose et soient vis-à-vis des gens reconnus pour un vrai travail de qualité, quoi. Et ça, moi, je trouve que ouais, c'est un bel enseignement. Quand on voit la vie de Marcel Callot et qu'on voit ce qu'il était un peu avant, on voit quand même que ça vient pas que des circonstances, c'est-à-dire que c'est aussi un caractère qui s'est forgé et... Et c'est ça qui est peut-être une belle leçon, je pense, pour nous, pour notre humanité, c'est de se dire aussi que c'est quelqu'un qui avait un grand désir, qui avait une conscience de la vie humaine, une conscience de son engagement dans le monde, qui est impressionnant, quoi. Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. On voit bien que les jeunes, ils aimeraient... ils trouvent que le monde est compliqué, qu'on aimerait faire des choses, qui suis-je, moi, pour faire quoi, voilà. Bah, un gars comme ça, il a fait petitement ce qu'il avait à faire, hein, petitement, parce qu'il a fait ça dans son local de jossiste ou je sais pas quoi, ou scout, avec quelques jeunes. Mais n'empêche que c'est quelqu'un qui, on en parle encore aujourd'hui, et qui a rayonné de telle sorte que beaucoup peuvent s'en inspirer, quoi. Et bien ça, pour moi, c'est accessible à tout le monde, quoi. À condition d'avoir dans son cœur le désir... un peu de se mettre au service du monde. Thank you.
En 2004, Maxime Pongélard est élève en seconde au lycée Marcel Callot à Redon. Le nom de son lycée l'intrigue, il cherche très vite à savoir qui est le personnage derrière le nom de son lycée. Il découvre alors un jeune au destin exceptionnel qui va le fasciner immédiatement. Pour mieux comprendre l'histoire de ce jeune Rennais que rien ne prédestinait à cette vie exceptionnelle et à qui il s'identifie immédiatement, il se met en relation avec des passionnés comme lui, en France mais aussi en Autriche et surtout en Allemagne, où Marcel jouit d'une grande notoriété. Ainsi, à l'instar de la catholique allemande Rosemary Pabel, qui joua un rôle très important dans le procès de béatification du jeune Marcel, Maxime consacre une grande partie de son temps à faire rayonner encore aujourd'hui la figure du bienheureux. Une pierre représente un camp dont au moins deux qu'il a fréquenté, Flossenbürg et celui où il est décédé, Mauthausen. Mauthausen était assez terrible. Et il est décédé là-bas, et maintenant je me rappelle que la personne qui nous a rapporté son décès a dit à l'époque, dans son regard, déjà à l'époque il avait vu le regard d'un saint, et c'est une parole prophétique puisque quelques dizaines d'années après il a été béatifié. Quand on s'intéresse à quelqu'un comme ça, on se pose quand même des questions, parce que la question qui me revient le plus souvent, c'est si moi j'avais été dans sa situation, est-ce que j'aurais fait pareil? Est-ce que on emploie le mot martyr, on pourrait très bien employer le mot héros aussi, sachant qu'il n'a pas été le seul, bien évidemment. Mais moi, est-ce que j'aurais fait pareil dans cette situation-là? Six mois et demi après sa création, la fresque est toujours intacte et offre toujours aux passants pressés en transit la vie de Marcel Callot en accéléré. Quelques mois auparavant, l'un d'entre eux y a été plus attentif et s'y est attardé davantage, Marie-Dominique Wittink. Elle imagine alors le projet un peu fou de solliciter du diocèse de Rennes et de la mairie l'autorisation d'extraire la fresque pour lui donner une nouvelle vie dans le collège Marcel Callot de Nogent-sur-Oise, où elle est animatrice pastorale. Ça fait 6 mois et demi à peu près, et d'habitude ça... Moi j'avais dit, on n'avait pas fait de Paris parce que c'est, ça porte la poisse, mais moi j'avais dit 3-4 jours. Ouais. Et puis en plus le thème, peut-être que oui, alors, ça mais pouvait aussi... surtout à cause du thème. Du thème, ouais. Je sais même pas ce que Marcel Callot représente dans ma vie, puisque j'ai pas fini d'en parler en fait. Il y a encore le projet à l'intérieur de l'église qui attaque la partie spirituelle de sa vie, et là ça va être encore un nouveau rapport, peut-être encore plus intime, puisque je serai tout seul et ce sera dans l'église. Au revoir et bon voyage à Rome. Merci. Et au revoir. On se revoit l'année prochaine. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Nous sommes une œuvre qui s'appelle Apprenti d'Auteuil, et Marcel Callot a été apprenti avant d'être ouvrier typographe. C'est un jeune saint laïc, donc c'est pour nous c'est important de montrer aux jeunes que voilà, il n'y a pas besoin d'être religieux, prêtre ou religieuse pour devenir un saint. Un saint, voilà, un saint ça peut être un jeune laïc comme eux. C'est un tel chef-d'œuvre au niveau du graphe. Au niveau de comment les artistes ont perçu la vie de Marcel Callot, nous, ça va être un outil. On va mettre les jeunes devant et on va effectivement leur expliquer comment Marcel Callot a été un disciple du Christ dans sa courte vie, entre sa naissance à Rennes et puis son martyr à Mauthausen. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, l'intuition des jeunes graffeurs, des jeunes artistes qui ont mis... quand on voit le panneau de la vie de Marcel Callot enfant dans sa famille, quand on regarde par les fenêtres,
c'est pas le Rennes du temps de Marcel Callot, c'est Rennes du temps contemporain, aujourd'hui. Et bon, ce qui a disparu là, mais qui va être remonté chez nous, quand on voit la gare de Rennes d'où il est parti pour partir au STO, c'est pas la gare de l'époque, c'est la gare d'aujourd'hui. Et donc ça, ils ont compris cette intuition que les saints d'autrefois continuent à avoir quelque chose à dire à nos contemporains et aux jeunes contemporains.